Alors, bonsoir à tous et merci d'être là. De plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Freedom News Network, c'est ici que ça se passe sur YouTube. Si on veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe, facilement, simplement, sans endoctrinement, sans manipulation, les faits comme ils sont. Les changements climatiques, le minimum solaire, le grand minimum solaire et l'intensification de ce minimum et grand minimum solaire, peut-être, hein, selon plusieurs. L'intensification de l'activité sismique et volcanique, les défis qui nous attendent. Enfin, tout ça, chers amis, avec l'aide de nos collaborateurs qui sont nombreux, vraiment nombreux, et je vous avouerai, très perspicaces et rapides. Parlant d'intensification de l'activité sismique et volcanique, vous avez vu depuis 48 heures ce qui se passe. Bien là, il y a quelque chose qui vient de se passer aussi. C'est Martin qui nous envoie ça, un compatriote québécois qu'on salue, qui est vraiment, lui, je vais vous dire une chose. Waouh! Il est rapide sur la gâchette. Lucky Luke a besoin de se surveiller parce que c'est sûr qu'il perdrait dans un duel avec Martin. Tremblement de terre, il y a quelques minutes à peine, au Japon. L'épicentre est ici. Le carré rouge sur la capture d'écran de Martin. Donc, vraiment, on va aller voir ça, ce fameux tremblement de terre-là. 6.1 au Japon, près de Shizune, à 131 km de Shizune. Profondeur de 17, c'est pas très profond. Donc, je pense qu'on était au large. Donc, c'est arrivé il y a quelques minutes, tremblement de terre de 6.1 au large de Shizune. Allez voir ça, Shizune. J'aime bien aller voir où se trouve exactement Shizune. On est ici, au Japon. Shizune. Sur la map Google, Shizune. On est dans le Pacifique Nord, donc. Hokkaido, Japon, Japon, Shizune, on est ici, plus précisément, donc c'est là où a lieu ce tremblement de terre de 6.1, on est à 131 km de là, donc classé très fort, on peut dire pas très profond, 17 km, sûrement des conséquences, peut-être, on verra, mais c'est au large, je pense que c'était au large, sur la capture d'écran de notre ami Martin, donc, en tout cas, il n'y a pas de, ça c'est vraiment préliminaire, là, c'est il y a quelques minutes à peine, mais vraiment, c'était quand il m'a, ça fait à peu près 40 minutes que ça s'est produit, que ça a été enregistré, donc un autre tremblement de terre, ça continue, l'intensification est là, et je ne sais pas comment ça va se terminer cette semaine, je vous reviens. Oui, Jenny.